Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va avoir un cours de communication progressive du français avec 270 activités. Alors ces cours sont destinés uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Voici donc une occasion, une opportunité vraiment intéressante pour vous. Communication progressive du français avec 270 activités pour vous. Avec vous, Monsieur Youssef Dallol de la chaîne du Communique TV. Parler des lieux et des objets, c'est un nouveau thème qu'on doit aborder pour vous. Acte de parole, c'est localiser, s'informer par téléphone, comparer, caractériser, exprimer une condition, parler d'un besoin. Alors aujourd'hui, on va voir uniquement acte de parole localisé comme situation de communication. C'est aux Galeries Lafayette, grammaire, préposition et adverbe de lieu et quelques mots ou quelques vocabulaires qui sont véhiculés dans la situation de communication aux Galeries Lafayette. Allons-y vers page 54. Alors, localiser, c'est l'acte de parole pour aujourd'hui. Comme situation de communication, c'est aux Galeries Lafayette. On a ici un dialogue entre Marius et une vendeuse. Pardon, madame, je cherche le rayon papeterie, s'il vous plaît. C'est au fond du magasin après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique, hein? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au deuxième étage, à gauche, en sortant de l'escalier. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Alors ici, c'est localiser. Il y a quelques mots qu'il faut retenir, comme l'exemple de « je cherche ». Où est-ce que je peux trouver? Par exemple, je ne vois pas quelque chose. Par exemple, ici, je ne vois pas les rasoirs. Pour vous aider, bien sûr, allons-y vers manière de dire. Manière de dire, on dit je cherche. Je ne vois pas. Où se trouve? Où est? Où sont? Où est-ce que je peux trouver? Je cherche quelque chose. Je ne vois pas. Où se trouve? Où est? Où sont? Où est-ce que je peux trouver? Alors, grammaire, on dit préposition, adverbe de lieu. Devant, c'est le contraire de derrière. Devant, c'est le contraire de derrière. Au fond, de. Au premier étage, c'est le contraire de au dernier étage. À gauche, de. À droite, de. Tout droit. Au milieu, de. Avant, c'est le contraire de après. En haut, de. En bas, de. Alors, devant, c'est le contraire de derrière. Au fond, de. Au premier étage. Au dernier étage, à gauche de, à droite de, tout droit, au milieu de, avant, après, en haut, en bas. Et vocabulaire, on dit un grand magasin, un rayon, par exemple l'électroménager, la parfumerie, les vêtements, un escalator, ça veut dire un escalier mécanique. Un escalator. Hein? Vous connaissez les escalators, ça veut dire un escalier mécanique. C'est pas la peine de faire un effort, par exemple. On continue. Un ascenseur, un article, la caisse, le caissier, la caissière, un vendeur, une vendeuse. Voilà, on a vu aujourd'hui la façon de localiser. On a vu le dialogue entre Marius et une vendeuse. On spécifie ces expressions comme je cherche, où est-ce que je peux trouver, je ne vois pas, etc.
On a déjà vu les prépositions adverbes de lieu. On a déjà vu quelques vocabulaires qui sont véhiculés, hein, dans la situation de communication garée, la faillite. Et le plus important ici, c'est manière de dire. Un grand magasin comme les Galeries Lafayette, le Printemps, la Samaritaine, le bazar de l'hôtel de ville ou le Bon Marché est sur en ville. On peut y acheter des vêtements, de la parfumerie, de la papeterie, des meubles, une grande surface comme Carrefour ou Auchan. Et situé à l'extérieur des villes, on y trouve des produits alimentaires, des matériels pour le sport, de l'électroménager. Alors, il y a des grands magasins, comme les Galeries Lafayette, le Printemps, la Samaritaine, le bazar de l'hôtel qui se trouve dans la ville, et une grande surface comme Carrefour ou Auchan est située à l'extérieur des villes, c'est-à-dire en périphérique. On y trouve des produits alimentaires, par exemple des matériels pour le sport, de l'électroménager, etc. Alors, on vient de comprendre maintenant cette leçon de communication localisée. N'oublie pas d'apprendre par cœur manière de dire aussi ce dialogue entre Mario et une vendeuse, surtout les mots-clés, comme je cherche, où est-ce que je peux trouver ces manières de dire, je ne vois pas, etc. Bon, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour participer avec nous, il vaut mieux de vous abonner dans notre chaîne, Je Communique TV. N'oubliez pas d'ajouter vos commentaires, d'ajouter aussi des likes et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Avec vous, Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Je Communique TV, bienvenue. Et merci de votre attention.